Et puis une rencontre dans ce journal, celle avec un explorateur solitaire. Louis-Philippe Lonck vient d'ajouter un nouvel exploit à son palmarès. Il a traversé une partie de la Laponie en autonomie complète, une première mondiale, une de plus dans la carrière de cet aventurier. Ali Mamouane Sali et Gaëtan Lille l'ont rencontré. Louis-Philippe Lonck est la première personne au monde à parcourir la Kungsleden en Laponie suédoise sans aucune assistance extérieure. Il s'équipe d'un sac à dos avec des vivres, des batteries, des crampons, mais aussi un bateau gonflable. L'explorateur a ainsi parcouru 502 km en 19 jours. C'est vraiment comme un puzzle à résoudre. C'est comme un. Je vais pas dire, je suis presque comme un enfant qui veut résoudre un jeu, une énigme. Je dis, est-ce que c'est possible? Moi, je crois que c'est possible. Je vais tenter de le faire. Et avec l'expérience, je sais que généralement, je suis capable de le faire, mais il peut toujours y avoir un problème. Hein. Et en terrain sauvage, dans le désert de Simpson, en Australie par exemple, le problème peut être quelque peu inattendu. J'ai deux fois été pourchassé par une troupe de, enfin, je sais pas comment dire, un troupeau de dromadaires. La deuxième fois, ils étaient loin, j'ai pu les compter avant, ils étaient 14, qui, je suppose, sentaient que j'avais de l'eau avec moi. Ils devaient sentir que j'avais exactement ce qu'il leur fallait. Ça fait extrêmement peur. Les expéditions en autonomie complète comportent de nombreux risques. Les animaux dangereux, les personnes malveillantes, le terrain sur lequel l'explorateur progresse. Si on tombe d'un côté ou de l'autre, ben c'est fini, on glisse. Et puis, les conditions climatiques, avec des vagues de froid et de chaleur, parfois extrêmes. 25 fois, j'ai failli mourir. Sur les 25, j'ai été sauvé deux fois. Et j'ai été une fois porté disparu. Je n'ai pas peur d'avoir peur. Si on a peur d'avoir peur, et de, ben, on n'y va pas, quoi. Ne pas avoir peur du danger et aussi de se dépasser. Louis-Philippe Lonck perd en moyenne une dizaine de kilos par expédition. Mais il est rompu à la rigueur de l'exercice. Il débutait son premier voyage de l'extrême il y a 15 ans.